Bricouri, nouvelle lagaye. Chef gang qui te remplacé Andris Iska. Actuellement, quand on parle là, c'est confirmé. Tosa a gardé prison Teli. Oui. Tosa a tombé tête noue. Jodi a la. Nous, en pile moun a parlé de lui sur les réseaux. Et nous même nous connaissons. Dans la production 69, nous ne pouvons jamais mentir. Dans la production 69, nous ne pouvons jamais faire buzz. Nous toujours vérifier avant de nous laguer dans l'émission que nous avons pour nous faire. Chef gang, Alex, dit Mana, tout ça tombe tête noue. Yo le misé Black Alex, Mana, on va comme ça. Mais, immédiatement, Iska te tombe, c'est Black Alex yo te mette misé pour remplacer Iska. Kounya la, jodi a la, m'a m'kwe misé gen dan gen 2 semaines non? Il gen tan mouri. Fons ou bien, le ti moun visye ou bali bon gosho nan deplamil. Nous tout konne, nek sa yo, yo va vi pou lontan. Lontan de yon chef gang fè an pil tan la viv, c'est parce que li va vi pied la terre pou l'goumen. Tande oui, ou ba we, l'anmo san jou, li même li toujou vivant. L'anmo san jou vivant, et parce que li ba jamais pied la terre al goumen avec ti magali. Kounya se gaspillage lui-même qui toujours là campé sous goumé li met pied la terre ça fait que je dis là pas gain gaspillage encore parole l'a dit l'anti coulève baiser grandi c'est dans trou pour été chef gang Black Alex Dimana tout ça son soldat qu'il était Iska tombé pour un pour deux il remplacé par Mana je dis là Mana mouri. Qui est-ce qui va le remplacer tout ça? Nous connaissons des mouris pour un pour deux, il remplace. Tendez mes amis. Et façon confirmée, pas de matin dans ça, et nous connaissons, grand pile moun acte tant pour production 69, parce que vous connaissez sous lui, il y a joué toute vérité. Chef gang qui était remplacé Iska, Andris, dans le quartier Belekou, me fait confiance, tout ça, pas là encore. Li tombe en babal jodi mardi 21 novembre 2023. Yon information pasteur Jean Enoch Joseph, yon notable qui nan commune Cité Soleil qui confirme nouvelle si la. D'après sa plusieurs sources rapporte nous, c'est un certain de Benji qui se yon soldat nan même gang nan ki tatouye Mana. Est-ce que vous avez son division? C'est Benji qui en dans Belekou qui nan même base Iska te fonde ya. C'est le plusieurs moun nan Cité Soleil. Vous connaissez, c'est Benji qui élimine Black Alex alias Mana. Li fon dizé misé, ok pouwe, y a goumen pour chef. Kounya la, si Benji, si c'est Benji toutefois vrai, qui touye Black Alex di Mana, kounya la mkweke, c'est Benji qui va le remplacer. Oh oui, Benji lui-même, qui c'est un soldat toujours dans le même gang là, et il faut savoir ce qu'il est, c'est lui qui tatouye Mana. Si nous croyons divers sources qui sous place yo, Mana, genon li nan andan nan zafè lan mo Iska. Kounya la, si non Mana cité nan lan mo Iska, kwèm souvle Benji ap touye Black Alex di Mana. Parce que Iska gampin ne krimen Iska. De bon on soldat complice nan lan mo chef gang Iska yap touye ou. Divers sous fè konnen leader Genef là qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue te fait tentative pour installer yon chef dans Belekou pour remplacer Iska. Yon décision Mana pas accepté, c'est ça qui t'a pris la cause gros bouche l'ouvri dans mitan gang yo. Je dis là Mana n'est plus. Black Alex dit Mana l'a gardé prison li pas là encore
nan moment parler là Black Alex di Mana tout ça mouri et gen façon qu'a circuler c'est Benji qui en dans même gang là qui fondisier Mana en division raison pour laquelle nous Black Alex di Mana non cité dans la mort Iska qu'on a barbecue lui-même qui connait qui ça Iska vaut pour lui qui connait qui ça nèg Iska yo représenté pour lui en dans Belekou barbecue t'est voulu pour al installer yo chef en dans Belekou qui diriger les soldats Iska moui qui t'est yo Black Alex pas d'accord disent qu'ils sont pétés et jodi a là c'est confirmé gay image et bien là Mana tombé c'est toi ça sur écran c'est monsieur que les Mana hein il tombé il fait vrai pour pays sans chapeau l'aime dit nous bon dit pas même sous monde la vie bon dit pas long la vie bon dit c'est là arrivé là clair on m'a dit ouais qu'a vivre longtemps c'est parce que pas jamais pé la terre pour goumer yo menti qu'a vivre longtemps c'est dans tout l'irrité mais j'avais le mensonge jour ouais le mensonge jour là lui même et puis go lâche qui gagne parmi tout bandi yo pas jamais pé la terre pour goumer soit le mensonge jour mais pé la terre pour goumer qu'on est plus devant là solo lio à terre oh oui bataille ka devant net 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 li même di campé nan distance 4 à 600 mètres. Oh oui, ouais, il va peut-être y aller pour tout elle et puis tout. Les obèse tout mon bandi, yo kon utiliser même bandi kan dans base là pour tout yo. Oh oui, et comme ça kon yé. Kon y a est-ce que c'est pas ça qui rive maintenant avec Benji? Parce que gars moun qui dit c'est Benji qui touye Mana. Parce que Mana son nèg là, il va faire monsieur confiance et Mana yo dit non monsieur cité dans le Moïska. Kounya Mana mouri. Qui est-ce qui a remplacé? C'est question qu'a posé. Pendant Mana mouri là, il n'est pas passé pour qu'il t'en installe notre chef non? Oh oui. Il n'est pas passé pour qu'il t'en installe notre chef. Ou mouri, ou pas être encore. Bas pas craser. Et ben Dieu dit yon soldat tombé pas kakazon la mais comme ça nous déjà bon ou tombé ou pas être nous rien encore n'a prend amour n'a prend chaîne qui dans cou n'a prend moucha ou te kon gen prêt et puis tout soyo boule cadavre sou gen famille ya enterro ou ça me dit non après ça yon en place ou et bien ça kon ça qui kon prier on continue prier parce que moi m'étendre les bandits moui. Ça belle encore, c'est les capturer l'autre. Oh oh. Les puis bon comme ça, laissez même bandi capturer bandi. Et même bandi Tyson mouri, on bandi tout il. Tyson mouri, c'est l'autre Iska. Iska mouri, non Black Alex di Mana cité. Non. Non la mort Iska. Mais kounya Black Alex mouri. C'est Benji. Non cité dans la mort ça. Ouais, ça son bel épisode. On continue à prier. Ça quand j'étais de l'eau, pour épisode ta capi belle. Nous besoin l'autre épisode. Parce que nous connaissons un chien méchant qui n'a goûté avec nèg sa yo, qui voulait prendre territoire, qui voulait placer nèg Tyson yo et dans espace nèg Iska qui a dirigé. Chien méchant lui a mangé un fret. Chez méchant samanté gine nan Genève fol touye. Oh Genève complètement divisé là. Genève presque écrasé pack en pack avant de Genève il va chez fòk non c'est barbecue qui est encore là barbecue nous gen Iska qui t'en mouri nous gen Mathias pack en pile nèg nan Genève. Ouais ouais si Genève t'était divisé tout allé ou t'est allé. C'est un coup, c'est Genève qui traite seulement. Kounya là, on a Genève, Iska mouri. Tyson mouri. Ouais, il y a une recette. Mais Kounya là, Black Alex tombé. Comme c'est toujours une même base, Iska. Pas tellement grand dans Genève. Chez méchant divisé. On l'a de Genève, chez méchant et Kounya, c'est GP. Ou bien tout, les nuls. Les mêmes de la gueule, la goumée.
Eh bien, c'est confirmé, dans nous connaissons moi-même, je ne vais pas jamais faire mentir sur le monde. Je ne vais jamais répéter après le monde. Le dossier a tombé là, j'ai une information mal vérifiée. Vraiment vrai, j'ai une photo, j'ai demandé des vidéos, pourquoi une vidéo? Black Alex, qui était remplacé Iska, est tombé en babal, en dedans, dans Cité Soleil, et c'est pasteur Jean-Enoch Joseph, qui est un notable dans la communauté Soleil, qui confirme la nouvelle si là. Pas de maintenant ça, ça entendait là, c'est réalité, son vérité, pas de doute dans ça. D'ailleurs, nous connaissons moi-même. C'est une plateforme qui est très crédible. C'est raison pour laquelle je vais demander pour encourager le like ou abonner ou peser sur la notification, retirer sur la personnalité sur tout. Laissez-moi pas prêter une vidéo. Nous. Et pour aider à grandir la plateforme, ça, c'est leur prend ou peser sur partage ou copier l'écran ou laguer le groupe WhatsApp ou laguer sur statut ou laguer sur Facebook. Laissez-moi ou inviter l'autre monde. Fait connaissance avec Chanel ça qui c'est production 69. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter un autre dossier. Bonjour guerrier, bonjour Johnny, c'est Nassa et le capitaine de Radio Caraïbes dans le moment. Effectivement, j'en dis, on a porté une précision par rapport à l'intervention du sénateur Willow vendredi dernier. Pour nous dire que, à tout le monde capitaine, que pas gain erreur dans le rapport ULCCA dans ce qui concerne le matériel qui est là-dedans. Parce que c'était un lot de matériel que le président Jovenel Moïse a doté du ministère des Travaux publics qui acceptait dans la commune de là-dedans. Une décision a été prise pour toute direction départementale. Elle était prise pour deux communes en particulier qui étaient communes Ilavache à commune de là-dedans. Il a vache, il a pris la décision par rapport à la distance, par rapport à matériel, à la difficulté de transporter matériel pour desservir la communauté de l'ALPC ou à l'amélioration. Elle était concernée la commune de Ladère parce qu'elle était décidée pour changer visage commune frontalière. Elle était dit publiquement qu'elle a commencé par Wanamed de Ladère et Ansapip. Et s'est constaté, elle était visitée de Ladère sous invitation nous. Il a constaté un gros problème de santé lorsque les haïtiens prennent une maladie choléra, c'est enragé à prendre avec un dominicain qui a subi une humiliation en bas dominicain, même quand ils sont en santé, voire pendant qu'ils ont une maladie choléra. Elle a pris une décision pour te doter le ministère des Travaux publics de lot de matériel qui affecte même la commune de Ladère. Et matériel, ça y est, il travaille sous. Et direction départementale. Hein? Et à l'époque, il y a le directeur d'Aguil qui était directeur départemental. Il était fait ça avec le ministre Kayo qui était ministre à l'époque. Là. Donc, nous avons population, hein? Si il y a deux parlementaires qui prennent matériel, soit CN ou bien travaux publics qui a renforcé ça, ça a possédé ou bien le travail par eux, c'est même gens tout est deux parlementaires qui étaient campés des dimanches. Pour matériel ça arrive dans le milieu paysan, dans la zone qui est plus loin. Et donc, à comprendre, matériel qui est tracteur à chaîne, il n'est pas fait pour ville. Ça veut dire, et grandit enquête et nous faisons Johnny confiance en ça. C'est un monde, il y a un journaliste pour nous être capable de dire, qui est capable de garder pour faire enquête sur ça. Parce que les risques qui traversent Matissan dernièrement, la Jacmel, les risques qui traversent Mon Gabriel, les vignes de la guerre, ça veut dire nous sommes capables de garder et qui travaille et matériel ça a fait dans tous les pays. Est-ce que c'est deux mouns qui te prennent matériel pour aller régler les affaires ou bien deux mouns qui te prennent des démarches? Et ma profite de pour un pile monde. Il y a un député qui a pointé du doigt, c'est parce que c'est eux qui te prennent des démarches pour faire matériel, ils arrivent dans la section communale, matériel pour aller percer route. Ou et des paysans lorsque ils sont malades pour ne pas porter son porte, pas porter son cabane. Et quand ils ont des contacts, non, ils ont cité dans le rapport, ils ont regardé, ils ont été deux minutes, ils ont été en des marches, et matériel ça soit en panne, donc ils n'ont pas rentré dans le CNE,
hop, yo tout identifié de monde qui était campé derrière des machins et puis yo tout la gueule comme de monde qui rentrait dans la corruption. Nous pas défendre et tout le monde qui dans rapport, mais yo capable garder qui est dans rapport yo. Qui moun ki nan rapport c'est parce que tu capable faire une démarche pour matériel yo rive dans zone bon la caillou ou bien qui moun tout qui t'est utilisé matériel ça yo même gens nous t'ai constaté de gros problèmes dans nous t'ai pratique de travail avec président Jovenel chaque mardi nous t'ai travaillé avec la identité problème à travers tout pays là et nous t'ai fait ça avec tout député qui t'ai accepté l'instar avec pour dire mais qui problème bon la caillou gagné et yo nan problème nous t'ai constaté qui t'ai gagné c'était de matériel CNE qui était fermé dans une série de mines. Yo te kon, nous pas kon si c'est loué, nous pas kon si c'est moun qui te gen pouvoir qui prend yo à exploiter mine yo. Et yo nan stratégie que président di n'a employé pour freiner ça, la permettre que tracteur achène yo gros matériel ça yo pas pour ville encore, soit faire démolition qu'a besoin yo, faire arriver pile ou dans section communale parce que tout le monde connaît que développement réel allait commencer par il commence dans la section communale, il commence par construction route qui ouvre de tout l'autre bagaille. Donc, dans le moment, nous avons décidé avec le ministre Kayou, avec le directeur départemental, pour retirer le tracteur HN dans la ville pour Alpes, qui pourrait permettre que les camions orange qui arrivent dans même par exemple, quand ils sont dans le boulot de Jacques Mel, Député, à travailler avec opérateurs, soit ministère de la République ou bien CNE, ils ont toujours été sous contrôle ministère de la République ou bien système matériel CNE avec CNE. Ça veut dire tout rester dans la zone, c'est après démarche député ou sénateur qui fait démarche pour arriver dans la zone. Mais ce n'est pas vous-même qui travaillez avec, c'est toujours opérateur, c'est toujours le directeur départemental qui passe là, qui a été capable. Et relé dans la radio pour démarquer ou non, parce que matériel de la DEO, moi répéter l'encore, c'est matériel que le président publiquement, il défait la ministre Omega, directeur départemental, pendant même période, il a adapté de chaque direction départementale de l'eau de matériel, là on va lancer mon programme caravane. Et on a choisi une commune dans le pays qui était dotée d'un lot matériel qui affectait la commune. Ça veut dire du matériel qui est belade, du matériel belade, qui a déplacé à travailler dans n'importe quelle commune qui gagne dans le département, mais c'est travaux publics qui ont géré. Travaux publics qui ont abandonné matériel, qui était matériel neuf pour Vietipan, imaginez un bulldozer des 8 qui campait belade. Qui problème li gen, c'est le yo pralé pour faire le travail yo jwenn yo retirer tout fioul qui dans bulldozer ou ka comprendre matériel qui coûte comme ça pour un ministère qui t'est le campé pour fioul que retirer là-dedans. D'accord. Préférence tout bagaille vinn dysfonctionnel, c'est parce que c'est peut-être politique. Merci. On politique qui permet ça, peut-être qu'a un groupe qui campé derrière des masses pour que route pas perdre jeune paysan. Non, à 5 cours d'appel à 18 tribunal de première instance. Paré là pour camper travail à partir jeudi. Pour qui ça? Décision ça. Nous allons parler avec commissaire Obo, qui lui-même c'est porte-parole. Collectif magistrat Debouyo qui ensemble avec nous pour plus détails concernant décision campé de travail ça paquet si yo prend magistrat bonjour tout et Johnny Ferdinand et moi salue toute ta radio Caraïbes là ainsi que tout collègue magistrat ainsi que debout. Oui, et paquet c'est yo a pas campé travail à partir jeudi. Qui ça pour qui ça décision ça? Bon, décision ça guerrier, ça qui motive lui et permettre
pour entrer en matière, nous porter des précisions pour l'opinion publique là. Parce que leur parler de parquetier, il y a des gens qui ont des gens capables de troubler. Mm-hmm. Un parquetier, c'est ça que nous avons commissaire du gouvernement, avec ce type de commissaire du gouvernement. Et c'est ça nous avons tout des magistrats debout. Pour qui ça nous dit que c'est des magistrats que nous avons, c'est la loi qui confirme ça. C'est la loi et l'un a parlé ou après régulièrement nous toujours fait référence à loi 2007, l'important statut de la magistrature. Eh bien, loi, ça dans l'article 3, il dit qui est-ce qui magistrat, qui est-ce qui va magistrat. Il dit dans le premier alinéa que magistrature là, il est composé de magistrats assis d'un côté, qui c'est juge cour de cassation, juge cour d'appel, juge première instance, juge. Et tribunal de paix. Mm-hmm. Et dans le deuxième alinéa, là, tous les sociétés ministères publics, près les discours, les tribunaux et leurs substituts représentent l'exécutif dans le judiciaire et comme ce qu'on appelle la magistrature debout. Donc, nous sommes des magistrats en tant que tels et c'est bien malheureux, ils n'ont pas traité nous comme tels. Et puis, plus loin, dans la même loi, c'est-à-dire dans l'article 7, 8, 9, je parle de gratuit. Qui gagne en temps magistrature là. Magistrature là, il y a 4 grades là-dedans. Dans tout premier grade là, nous jeune président cour de cassation, dans premier grade, premier niveau, de premier grade, deuxième niveau, jeune vice-président cour de cassation et les commissaires du gouvernement. Troisième grade, et premier grade, troisième niveau, rejoignent les juges et les officiers du ministère public. Donc, et nous-mêmes, les substituts du commissaire du gouvernement, nous, deuxième grade, premier niveau. Les doyens, par exemple, et les commissaires du gouvernement, ils sont toujours dans deuxième grade et troisième niveau. Donc, moi, je suis entré en matière ça pour nous faire comprendre que, quel que soit côté, ils ont fait référence à magistrat assis. En dans loi ça, ils ont parlé, ils ont fait référence tout et à magistrat de vous. Ça veut dire que nous-mêmes, nous assujettis au même principe. Aux mêmes lois que les magistrats et assis. Cependant, l'on a le traitement, c'est article 48 là qui va dire comment ils doivent traiter magistrats. Et il n'y a pas fait distinguo entre magistrats assis et magistrats debout. Article 48 là, il est clair, il dit que magistrats en activité doivent recevoir un traitement mensuel qui est indexé sur celui des parlementaires. C'est comme ça, même loi ça, même article ça, il va le dire. Et président de cour de cassation, il percevra un salaire équivalent au président du Sénat. Et graduellement, la personne, la bio pour deuxième niveau, là, il y a un traitement de 90% par rapport à premier niveau. Là. Et la personne troisième niveau, là, 85%. Deuxième grade, là, 75%. 70%, c'est pour et premier niveau, là, c'est pour premier grade. C'est pour troisième niveau. Là. Donc, tout ça pour expliquer nous que. Et depuis l'entrée en vigueur loi ça, magistrats assis eux-mêmes, ils recevront des privilèges, et c'est sous loi ça, c'est de loi ça qui tire privilèges. Le privilège qui ça a eu. On a regardé en première instance, c'est-à-dire côté droit, il y a un deuxième, un troisième niveau, même j'avais commis le gouvernement, les gagnants ont une indemnité de 30 200 gouttes, alors que le commissaire du gouvernement, ils n'ont pas joué rien. Mais c'est même bagarre là tout pour. Et il y a un cadre de débit de 45 300 gouttes que vous recevez, alors que le commissaire du gouvernement lui-même, il n'y a pas joué en rien tout. Et il y en a même grade, au même niveau. Et pour l'exemple, pour question carburant, c'est toujours 17 gouttes de carburant rejoint, qui vient augmenter par la suite. Après, le commissaire du gouvernement, il y a été conjoint seulement lui-même 10 000 gouttes. Pour qui ça nous oblige, maintenant là, rentrer encore une fois, pour une énième fois, et dans un arrêt de travail. Donc nous disons, ce n'est pas de voir ça que nous-mêmes nous sommes priorisés, parce que nous-mêmes nous toujours priorisé la voie du dialogue. C'est bien malheureux, responsable, nous sommes nous avons toujours fait la sourde oreille, et à plusieurs reprises, nous rencontrons avec l'autre ministre de la Justice, le ministre Bertrand Dorsey, nous rencontrons avec le ministre Rockefeller, qui lui-même, avant ça, il a menacé nous pour le révoquer. Nous, c'est comme ça que le dérégler, le porte-parole là, c'est Alex. Nous te dit que après révoquer, si nous ne pas camper avec qui chance ça. Nous te dit non, c'est droit de la personne. Si on peut être magistrat debout, qui a défendu droit, nous, dans nos sociétés, nous ne pouvons pas défendre droit par nous, nous ne pouvons pas place nous là.
c'est comme ça que vous allez ouvrir un registre d'inscription pour faire pression morale sur nous-mêmes. Et pression, ça va continuer. Et après, que ça va répéter encore cette fois. Nous rencontrons cette fois-ci, nous venons tomber avec le ministre actuel là, le ministre de la Justice actuel là, maître Émile Bouffet. Et nous rencontrons ensemble avec lui, nous écrivons, nous exposons le sujet, nous rencontrons avec nous, lui montrons que nous comprenons. C'est comme ça que nous allons adresser une correspondance en date ciment, côté que nous allons reconnaître qu'il y a une discrimination et qu'il y a des mesures idoines du bras le bras pour une discrimination, ça va camper. Bon, le monde attend que nous parlons de discrimination, il ne va pas comprendre. Discrimination, c'est tout ça que lié. Le fait que nous traitons un monde ou bien un groupe de monde différemment, suivant caractéristiques, suivant appartenance, le fait que vous excluez, et cela au détriment de lui-même, ça constitue une discrimination. Donc nous-mêmes, nous excluons des privilèges en tant que magistrats, nous distinguons de magistrats assis. Oui, et non privilégié. Donc, c'est ça que nous-mêmes nous parler de discrimination. Donc, la loi 2007, là, elle est claire. Donc, tout magistrat, il doit joindre des traitements conformément à l'article 48. Magistrat, si nous-mêmes, nous joignons, nous-mêmes, tout en tant que magistrat debout, obligatoirement, il faut que nous joignions. C'est ça que fait. Après, nous avons rencontré avec l'injustice, nous avons rencontré même avec le PMK Ariel Henry, et cela à trois reprises. Dans un premier temps, nous avons rencontré le directoire. Les rencontrer le directoire là, nous exposer le sujet à lui, que lui-même n'est pas comprendre que nous-mêmes qui représentons l'exécutif dans le judiciaire, on a traité comme tel. Donc, des mesures qu'on prend pour nous camper avec ça. Et nous, dans le second temps, soit le 3 mars, lui rencontrer encore une fois cette fois-ci avec tout magistrat de boulot à la primature, une invitation que nous recevoir de la part de la direction des affaires judiciaires, demandez-nous pour nous présenter à la primature. Pour une rencontre, les rencontrer avec tout magistrat debout dans toute juridiction dans le pays, lui promettre que la discrimination a campé et des mesures pour le prendre. Bon, à notre grand étonnement, le 28 mars, ils ont encore rencontré avec eux, ils ont rencontré ensemble avec nous, ils ont rencontré avec eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas de cas satisfait à besoin de nous, vu qu'ils ont en plein exercice budgétaire, et donc ils n'ont pas besoin de quota de carburant et téléphone, même j'ai avec Jujo qui gagnait, et il y a un téléphone qui est payé avec plus de, avec près de 5000 gouttes sous lui. Eh bien, juste au moment que nous avons parlé ensemble avec vous là, oui, nous venons jouer une quota de carburant, mais l'intérieur n'a pas Jujo. Et nous capables de dire que c'est toujours discriminatoire. Et quand téléphonique, nous n'avons pas joué ça, nous pas joué un téléphone qui paye ça. Et dans mon dernier rencontre, et bien avant que nous prenions décision pour rentrer, et en arrêt de travail à partir de jeudi, nous prenons le soin dans le mois de septembre pour nous écrimer justice, nous écrimer pour nous rappeler lui pour messieurs, etc. Bon. Et malgré l'état qui sans réponse, nous toujours prioriser la voie du dialogue pour que nous, en discussion avec le chef de cabinet, nous prenons un ancien commissaire du gouvernement qui se parle de présentation également, que tout pays a connu. Et lui dit nous comme ça que lui fait nous rencontrer ensemble avec les ministres là le 30 octobre dernier. Et bien, ça qui est allé tourner moi dans la rencontre ça, c'est le ministre effectivement, il toujours montre nous les deux bonnes fois et nous sentons ça à la caille. Mais ce peut-être qu'il y a un blocage quelque part, nous pas qu'on est côté blocage là. Et dans la rencontre ça, le ministre a dit que nous venions un quota de carburant pour mettre là et téléphone. C'est nous-mêmes qui avons dit non, et nous avons senti que l'été contingent étonné de ça. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a des gens qui ont passé, et puis il y a l'autre qui n'ont pas exécuté. Et l'autre bagarre encore, et nous avons un magistrat qui a à peine sorti de l'école de la magistrature, pour montrer comment la discrimination est criante au sein de la magistrature. Magistrat qui a à peine sorti, il y a un groupe que vous voyez comme des juges de paix. Qui ont pour qui rentrer comme substitut commissaire du gouvernement. Est-ce qu'on connaît CFPJ, l'IPAIO, une allocation de 100 000 gouttes, c'est-à-dire on a parlé pour magistrats qui rentrent comme juge de paix, l'IPAIO une allocation de 100 000 gouttes comme frais d'installation, alors que substitut commissaire du gouvernement, qui sont dans l'école magistrature, même temps ensemble avec eux, même étudiant avec eux, qui rentrent dans le système, ils ne sont pas jeunes, et qui n'ont pas supérieur même, il n'y a pas même jeune et traitement ça. Okay. Donc là encore c'est discriminatoire. Donc arrêt de travail, ça, c'est pour nous dénoncer et
magistrature là qui a fonctionné à deux vitesses, à double vitesse. D'un côté, où il y a le CSPJ qui a traité et monde que l'on a administrativement très bien et correctement. Et de l'autre côté, nous autres qui répondent administrativement du ministère de la Justice, nous recevons des traitements extérieurs, des traitements qui sont égalitaires à Pernio chez les magistrats. Et les magistrats Donc ça veut dire là nous campé travail à partir de jeudi en là ne pas compte pour combien de temps. Bon, nous c'est bien malheureux et nous toujours taper à contre-cœur parce que notre réalité c'est pas de nier au système, c'est pas de bloquer le système. C'est plutôt nous voulons combattre discrimination, hein. Nous pas capable de gagner une magistrature comme nous qui voulons à double vitesse. Si nous depuis plus de 4 ans, 5 ans c'est la voie du dialogue. Nous écrit, nous faisons plusieurs grèves. Nous ne sommes pas jamais satisfaits à revendication. À revendication, nous, cette fois-ci, nous obligés quand c'est une fois pour toutes, en attendant que la loi applique correctement. La loi de 2007, et c'est la loi portante, et le statut de la magistrature, n'est pas capable d'appliquer de manière partielle. Donc, il doit appliquer dans sa globalité. Si nous sommes des magistrats, donc nous devons nous vérifier, je pense que nous au même titre que les magistrats et à fond. Merci un peu, le commissaire. Merci. D'accord, bon, la journée, commissaire. Obo, qui était à parler avec nous au matin, à concert. Tribunal travail qui était jusqu'à Berne elle n'est pas ou et dit non c'est par où et un cabinet pas c'est qu'on y a à qui je non ministre j'ai investissement la justice c'est lié qui a construit espace pour tribunal yo dans espace palais de justice à là les trois petits pour kembe paquet à tribunal là malgré ça les gain plusieurs autres institutions qui est là dedans ta cour PC tribunal travail avec tout paquet tribunal travail office état civil etc. là on a parlé de sous la lue donc sous plus passé 32 juges d'instruction c'est seulement 6 cap travail dans cas ça dossier a toujours souffri dans Tiwa. D'autant plus le gouvernement prend décision pas renouveler mandat juge qui pour certifier yo contrairement à ça la loi dit c'est tout paramètre ça yo qui capable expliquer retard dossier prendre en main juge instruction yo. Pour salle d'audience même c'est un calvaire deux salles seulement pour toute audience tant que correctionnel référé commercial civil divorce et latrier gouvernement doit rejoindre local pour mettre tribunal yo pour juge capable joindre espace bureau avec salle audience pour yo travail les salles la société va garder si juge de mauvaise foi ou bien si yo intéressé travail c'était une précision sur situation tribunal porte Prince. Voilà, c'était magistrat Lubens Élysée. Nous allons aller dans le département sud-est pays pour nous retrouver correspondant nous Élie Lorveillus depuis Jacques Kemel pour nous parler de conséquences. La pluie qui est tombée sous plusieurs départements en dedans pays pendant un week-end là, dans Jacques Mel, il y a un monde qui mourit et il y a un arrondissement Belance qui coupé à Jacques Mel à cause mon la serre qui endommagé avec nous. Élie Lorveillus, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour Titis, auditeur Caraïbes FM. Effectivement,
côté gros la pluie à travers onde tropicale qui passait sous pays a té gain gros la pluie vent a soufflé sur deux bâtiments sud-est là et ben gagnen yon monde qui mouri c'est dans quartier Mapou commune Belance c'est l'on protection civile dans sud-est pays a c'est l'eau qui poté monde ça qui c'est une femme mais à cause mauvais état cadavre là té gagnen autorité au pat possibilité pour identifier Mounsa, mais simplement il était fini par découvrir c'est une femme et par la suite il a tabral et enterré Damsa et c'est autorité locale yo qui enterré lui et en plus de ça il a parlé c'est à cause mauvais état route qui était déjà gagné mais mettez en plus monde la sec qui lui-même li coupé et ça la cause arrondissement Jacmel avec Belance li totalement coupé pour moment ça et mon lacet c'est yon nan et calvaire pour travaux publics dans sud-est pays a puisque chaque mauvais temps frappé région mais mon ça li toujours même si gen ti passé mais qui fait mais li toujours bay en pi problème et pour moment ça li nous capable dire nous connaît route de lancement dernier temps ça yo li c'est une route qui vraiment pratiquée par rapport à membre population mais pour moment ça li totalement endommagé dans niveau monde la fait et situation li totalement paralysée selon premier constat et protection civile dans niveau également et Peredo dans localité ça gagne plusieurs cailles qui inondé gagne caille qui endommagé toujours selon protection civile et Peredo c'est dans commune Marigo et situation li vraiment difficile et plantation et paysan yo vraiment endommagé selon et toujours protection civile sous commune Bénin et ben gagne rivière Tipen avec Moro et ben qui était à faire pile dégâts et ça la cause gagne Toyota Land Cruiser qui allait dans de l'eau, toujours d'après un premier bilan, protection civile, et il y a diverses tronçons routes qui sont commune Bénin qui endommagées. Et dans Jacmel, il y a un tronçon route pour rentrer Villa qui endommagé dans le niveau bassin Caïman, tout près Villa. Eh bien, il y a une situation qui vraiment paraît difficile par rapport à Grande Rivière qui était en crue, toujours selon protection civile. Mais il y a un. Délégation qui était allée dans Peredo justement pour être capable de faire une première évaluation hier dimanche là, mais à cause de une situation qui était produite côté secrétaire général délégation qui s'est pointé Magellan Pierre Louis, est arrivé victime, il est tombé et est une victime en entorse et ça c'est la cause, il est obligé transporter en urgence l'hôpital et ça a été empêché et visite ça pour te continuer. Mais dernière information yo fait quoi il est pas tellement dans niveau qui grave et après il était allé l'hôpital toujours c'est l'on bilan partiel et coordination département non département sud-est mais qui l'en dit par simple citoyen en Jacmel qui applaudit divers rapports enquêtés ILCC des hauts fonctionnaires dans l'état et ancien parlementaire a bien l'état yo ta détourné et gagoté en pile gros département particulièrement dans ville Jacmel yo opiné à travers média yo dans sud-est pays à côté au coin la justice ta doit saisir dossier ça yo pour tracer exemple même si on reconnaît ensemble des monde ça yo yo gain droit pour capable défendre tête yo mais ça pas doit faire dans radio. Mais ça t'a doué fait devant tribunal et ça pas doué gagner diversion qu'a fait dans radio pour détourner attention membre population. Et pour finir gagnons l'autre catégorie monde qui au même a opiné par rapport à non magistrat Villa Marquis Kessa qui cité dans dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse et ben gagne certains monde qui croient magistrat a doué remettre démission li par rapport non cité puisque dans premier temps c'est membre population qui a voté même si jodi a li c'est un magistrat intérimaire mais yo croit et ben pour moralité ville Jacmel il a doué remettre démission
mais il y a des gens qui encouragent pour la porter tête li par juste instructeur pour éviter non capable et parmi monde qui a avis recherche contre lui dans dossier assassinat chef l'état. Voilà en gros quelques informations qui sont actualité pour région sud-est, mais qui vient dit après gros l'appui pour ça une activité scolaire constaté qui a fait ces envies là et pour et Philippe Fonzi, pendant le jour du 18 novembre, il y a un lycée Saint-Lamour qui était vraiment rempli de population. Importance bataille 21, qui était un élève lycée qui était fait parade dans la ville, qui était vraiment à rappeler l'histoire du pays d'Haïti à travers Ville Jacmel, côté en tapant en pile parade dans la rue Ville Jacmel. Merci en pile Elie Lorveus. Pendant Elie parlait de activité qui était réalisée dans le sud-est, particulièrement dans Jacques Mel, pour question de Zino. Comment ça a été pour le président Ariel Ariel Tatla? Alors, Ariel Tatla le déposé. Alors, moi, je ne pas si je suis une note. Je ne sais pas ou bien. Je ne pas non, je pas dans le pied et au cap haïtien. Non, je ne pas dans le cap haïtien. Alors, Ariel Tatla le ça m'a mal vérifié là. ou bien, monsieur Zemba, on discute enregistré. Ou bien, de côté l'IA est. Parce que, ou bien, de côté l'IA est. C'est moi, Ariel t'a fait la navette. Oui. Eh, Marion, il y a un bizarre. Ah, bizarre, vous dites par exemple. Moi, Ariel t'a presque fait Doba. Ariel t'a fait Doba. Ariel t'a fait sable à chou en papier. Ariel t'a monté chameau. Au point là, il a vu dans le mari tête libre. Mari tête libre, un gros fou là. Dans le nord. Pas songé, pas songé. On ne va pas la Donald Javis. Oui, m'avait serré les Donald Lambajon. Parce que Moïse Jean-Charles t'est manifesté tout. Oui. T'est manifesté dans le nord, 18 novembre. On va regarder à Donald qui ça s'est débaillé. Mais tu as une activité sur le canal là, moi t'ai parlé ça. Et l'autre a pu recevoir Madame Saint-Joseph. Et puisque y a un combat.